Allô, allô Aliska, comment vas-tu? Allô à tout le monde et bienvenue sur cette première émission Écris-le de ta plume. Est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer par les bases techniques de d'habitude. C'est pas tout de mettre une musique de fond, le tout c'est aussi qu'on m'entende. De ton côté, oui. Ok. Normalement, c'est tout bon. J'avais testé quand même sur le principe, mais normalement, c'est tout bon. Ok, super. Enfin, merci, merci pour ta réponse. Comment est-ce que ça va? Moi, ça va. Je suis en week-end. Je suis en week-end. J'ai travaillé tout ce week-end en vrai, et là, week-end pour demain et après-demain. J'ai un week-end décalé en fait par rapport à vous, par rapport à vous, les gens normaux qui ont des week-ends les samedis et dimanches. Donc c'est cool, je vais pouvoir me reposer, tout ça. Jusqu'à mardi midi. Moi, c'est jusqu'à mardi matin. Mardi matin, je reprends le boulot. Mais mardi après, mais je ne travaille. Non, bah non. C'est mercredi matin, pardon. Oh, du coup, on a le même week-end, Leska. Ouais, je reprends mercredi matin, ça va. Mardi matin, mardi après-midi, j'ai rien. C'est mercredi matin que je reprends. En vrai, ça va, je travaille mercredi, jeudi, vendredi, et après, je suis en vacances pour une semaine. C'est trop cool. Du coup, bienvenue sur cette émission qui est. Je vous fais une petite présentation, en gros, de l'émission. Parce que c'est la première. Oula! Pardon. Je disais donc, c'est la toute première édition de cette émission Écris-le de ta plume. J'ai voulu faire ça en live et non pas en différé, on va dire, en story ou en post Instagram ou Twitter ou autre, parce que je trouvais ça plus intéressant de pouvoir discuter, pouvoir échanger en direct avec les personnes qui joueront le jeu et qui auront envie de participer à cette émission. Donc, le principe. Ça s'appelle Écris-le de ta plume. Pourquoi? Parce que le principe, c'est écrit tout en haut pour ceux qui ont fait attention, qui ont eu l'œil. C'est de réécrire deux textes à sa façon, à sa manière, avec pour ça les limites de son imagination. Je m'explique. Ce soir, nous allons prendre un texte, enfin un extrait d'un roman de Sébastien Teveny. Teveny, je ne sais pas comment ça se prononce. S'il passe par là, j'espère que j'ai pas trop mal prononcé. Donc, nous allons prendre un texte de Sébastien, qui est un auteur auto-édité, par ailleurs, que j'ai déjà lu et chroniqué, en fait, il y a des années de ça. Et nous allons prendre aussi un texte de Stéphanie Meyer, que vous devez connaître un peu plus, peut-être, qui est donc l'autrice de la saga Twilight. Et donc, l'idée, c'est qu'on prenne chacun, enfin, qu'on leur prenne un extrait d'un de leurs textes. Et qu'on s'amuse à le réécrire à notre manière. Pour s'amuser à ça, le truc, c'est que on est vraiment libre d'en faire ce qu'on veut. Voilà. Si on part d'un dialogue et qu'on veut en faire une pièce de théâtre, une poésie, un monologue, je ne sais pas, et un autre truc descriptif, enfin voilà. On prend le texte par le bout que l'on souhaite. Et l'idée, c'est qu'on s'amuse avec ce texte-là, qu'on le réécrive vraiment de notre façon, donc de notre plume à nous-mêmes, quoi. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de s'amuser avec sa créativité, quoi. Et du coup, moi, j'afficherai les textes à l'écran. Et l'idée, c'est qu'on aura 30 minutes par texte. Pour voilà, les réécrire. Ou par exemple, si c'est un dialogue, parce que je dis ça parce que par exemple, celui de Sébastien, il est c'est assez descriptif, voilà, et alors que le texte de Stéphanie, c'est plutôt un dialogue entre Bella et Édouard. Et du coup, si c'est un dialogue, on peut le garder en tant que dialogue et voilà, changer deux, trois mots. On n'est pas obligé de tout changer en soi, on peut juste changer un ou deux mots, on peut changer. On peut changer les intonations,
Si on veut, on peut enlever des bouts de phrases, on peut s'amuser à en rajouter. Enfin, on peut rendre la scène comique si on veut, on peut rendre la scène glauque si on veut, on peut rendre la scène flippante, on peut rendre la scène émouvante ou pas. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de partir d'un texte commun et que chacun le réécrive comme il le veut, comme il ou elle le veut, le sent, envie de jouer avec, de la manière dont il souhaite, et qu'après on partage ce qu'on a écrit, si on le veut, pour pouvoir voir en fait ce que ça a donné. Parce qu'au fond, on est tous et toutes des auteurs et autrices avec des plumes différentes. Donc je me suis dit, ça pourrait être marrant qu'on parte chacun avec le même texte de départ et qu'on voit ce que ça donne à l'arrivée en partant du même point de départ. Donc, voilà, j'espère que c'est clair. Du coup, on va attendre encore un tout petit peu. On va attendre encore un peu. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui doivent arriver. Voilà, j'ai prévenu aussi Sébastien, l'auteur autodidacte, que s'il souhaitait passer, il pouvait. Je n'ai pas envoyé de message à Stéphanie Meyer pour lui proposer de passer si elle le souhaitait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette émission-là, je la mettrai sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-édition parce que du coup, elle est également utilisable, visionnable, faisable, suivable en replay. Parce que voilà, on peut, là du coup, si vous êtes sur YouTube actuellement et que vous écoutez le replay, ben, bienvenue à vous aussi. Vous pouvez également écouter et participer et vous amuser avec le concept de l'émission. Et aloha soupe, comment vas-tu ? J'étais en train de te faire une présentation un peu de l'émission, du concept, des modalités, etc., etc. Ah si, j'ai dit qu'il y avait un chrono, ouais, qu'on allait avoir 30 minutes par texte, et du coup je vous afficherai le chrono à l'écran. Voilà, moi je couperai mon micro le temps des 30 minutes, mais il y aura un chronomètre à l'écran, et puis je reviendrai faire coucou quand le temps sera écoulé. Tu rédiges un courrier, tu rédiges quoi comme courrier, Leska ? J'espère que tu vas bien, soupe. Bon, je te réexplique pas l'émission soupe, parce que tu connais. Tu connais le concept. Puisque tu as pu faire partie de ces personnes. Oui, tiens, d'ailleurs, je n'ai pas expliqué ça. En fait, je fais des entre guillemets. Alors, je fais le signe avec mes doigts, vous ne voyez pas, mais je fais entre guillemets des inscriptions sur mes stories Instagram, cette émission. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je crée derrière un groupe éphémère Instagram qui, d'ailleurs, sera supprimé dans quelques jours parce que l'émission va être finie, va être passée. Bref, un groupe éphémère où, dans ce groupe-là, vous allez pouvoir voter pour les textes. Moi, j'ai au préalable fait une sélection, une pré-sélection, on va dire. Et du coup, dans le groupe, j'envoie les textes. J'ai dit, voilà, vous pouvez voter. Vous avez deux textes d'auteur auto-édité, deux textes d'auteur de ME. Et puis, l'idée, c'est que vous choisissez les textes avec lesquels vous souhaitez vous amuser. Et du coup, bah, la soupe a fait... Tu fais partie de ce groupe pour cette première édition. Et du coup, j'ai prévenu l'autre autrice auto-éditée qui est Sophie Castillon, lui disant « Ah, ton texte n'a pas été choisi », mais je la remettrai dans des propositions pour la prochaine émission s'il y a lieu. Voilà. J'espère que tu vas bien, soupe, et que tu es bien installée, et surtout que tu as bien, affûté ta créativité. Tu es prête pour ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence la première session à 20h30. On va faire un truc comme ça. Tu vas bien, super. Je vais mettre compte à rebours pour 20h30. Voilà. Il veut bien s'afficher. Est-ce qu'il veut bien s'afficher? Tac. Voilà. On va le mettre là. Et je vais juste rajouter
ne peut pas rajouter de texte. Ut. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va juste le laisser comme ça. Et puis ça ira. Et du coup, oui, il y aura du coup, je l'ai déjà dit, il y aura le replay sur YouTube. Et puis on verra comment ça se passe. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée, forcément. Si je fais ce concept-là, c'est que j'aime bien. Et je pense que je le renouvelle, qu'il y ait participant ou non participant, parce que je trouve ça intéressant de m'approprier des textes, voilà, de jouer avec les textes d'autres. Ça me fait... En fait, pour créer ce... Enfin, comment j'ai eu cette idée-là ? Ce qui m'a fait penser à cette idée-là, c'est... je sais pas si vous connaissez... Alors, j'ai un super accent anglais, attention. C'est le challenge artistique qui s'appelle Draw This In Your Style. Qui veut dire dessine-le dans ton style. Dessine-le à ta manière. C'est un challenge artistique que je vois passer régulièrement... plein d'artistes différents, où l'idée c'est qu'ils prennent un dessin de départ, oui bah voilà, ce que tu connais, qu'ils prennent un dessin de départ et puis qu'ils en font une interprétation à leur sauce. Et moi je trouve ça trop cool, ben, de voir les différentes interprétations qu'il y a, les différents résultats qu'il y a, etc. Et du coup je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo de transposer ça à l'écriture en fait. On prenne un point de départ et puis qu'on le réécrive à notre manière en fait. Je me dis, ça pourrait être super intéressant. Donc voilà. Ça vient de là. Je me suis dit, tiens, on va essayer parce que moi je trouve ça super intéressant et tout. Ouais. De jouer avec les textes d'auteurs qu'on connaît, etc. quoi. Je sais que Sébastien, c'est un auteur que j'ai chroniqué pour son roman 30 secondes plus tard, je crois que c'est là. Je suis allée chercher le titre du roman. Sébastien, t'es venu. 30 secondes avant de mourir, pardon. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que Sébastien, il avait un site, du coup, je vous le mets hop, en lien dans le chat si jamais vous voulez aller voir. Le site, il est bien fait en plus, je trouve ça cool. Et ouais, du coup, j'afficherai le texte avec lequel on va jouer tout à l'heure à l'écran. Et l'idée, c'est que du coup, il y aura le chronomètre. Et puis, moi, j'afficherai aussi mon texte à la toute fin. Et si vous jouez, si vous souhaitez que j'affiche votre texte à l'écran, c'est possible. Vous pourriez me l'envoyer par mail. Je vous redonnerai le mail plus tard. Enfin, c'est portailautoedition@gmail.com et je vous le remettrai dans le chat au moment voulu. Si vous me l'envoyez, moi je pourrais l'inclure et le faire afficher à l'écran si souhaité. Si pas souhaité, ok. Vous pourrez juste dire voilà ce que vous avez fait, comment vous avez transformé le texte de départ, etc. C'est comme vous voulez, aucune obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune obligation, on est juste là pour s'amuser avec sa créativité, s'amuser avec les mots et que juste pour le kiff. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de faire quoi, vous ne faites pas. Et puis, on n'est pas dans le jugement aussi. J'ai mis dans le titre du live que c'était chill et bienveillance parce que ben, on n'est clairement pas dans le jugement. Et l'idée, ce n'est pas forcément de dénigrer le texte de départ non plus. Le texte peut ou pas nous plaire. Genre, par exemple, moi, je sais que l'extrait que j'ai pris de Stéphanie Meyer, c'est pas un truc qui me plaît plus. Déjà parce que c'est un dialogue et que je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais en faire moi de ça, parce que j'aime pas les dialogues, donc mon avis il va pas rester dialogue très longtemps. Et puis c'est que bah c'est Twilight quoi, Twilight, j'ai aimé ça quand j'avais 15 ans mais aujourd'hui j'aime plus vraiment. Et du coup quand j'ai relu l'extrait j'ai fait, ouais non c'est vraiment plus ma gamme. Mais l'idée c'est pas forcément de dénigrer, c'est juste que bah là c'est plus de mon goût. Mais ouais, l'idée c'est pas de dénigrer que ce soit les textes de départ ou de dénigrer ce que nous on va en faire, nos textes respectifs en fait. Voilà. Ok, j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, on a à peu près une heure et demie d'émission, on va dire. Parce que si on compte une demi-heure pour chaque session, une demi-heure pour le texte de Sébastien, une demi-heure pour le texte de Stéphanie, et un temps entre deux,
pour échanger nos textes, etc. À peu près 1 heure et demie, je dirais. Voilà. J'ai une question, les Sky Swoops, si jamais ça vous intéresse. Est-ce que vous souhaitez que je lise le texte de départ à haute voix? Ou pas forcément. Je sais que je vais vous l'afficher sur l'écran. Mais est-ce que ça vous dirait que je le lise ou pas forcément? Vous qui me dites. Tu votes blanc. Tu as le droit de voter blanc. Ok, les deux te vont. Ça marche. N'importe, je suis en train de le lire en ce moment. Ah, tu te mets déjà dans le mood, tu te mets déjà dedans. Ben, je vais pas le lire, je verrai, je poserai la question à d'autres personnes. Si jamais il y a des gens qui regardent cette émission en replay, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez ça. Si ça vous aurait plu que je lise les textes à haute voix ou pas. Je vais pas forcément les lire parce que je suis pas forcément à l'aise du coup pour autant pour le texte de Sébastien, ok. Voilà, il est assez descriptif tout ça. Autant pour le texte de Stéphanie Meyer qui est très dialogue. J'ai du mal à mettre les bons tons, je trouve, et les bonnes intonations dans la lecture à voix haute des dialogues. Vous sentez que je suis pas à l'aise avec les dialogues, hein. Je sais pas mon truc. Clairement, dans le roman que j'écris, les dialogues, c'est vraiment le truc qui me pose le plus de problèmes, quoi. Donc, ouais. Mais ouais, c'est vraiment pas mon. Pas ma tasse de thé. Du coup, on va commencer d'ici 2 minutes 37. Ce que je vous propose, c'est que je vais décaler le chronomètre pour pouvoir vous afficher le texte. À rebours, hop, je vais le mettre là-haut. Et du coup, on va commencer avec le texte de Sébastien. De Sébastien Teveny. Teveny. Tac. Voilà. Je me demandais quand est-ce qu'il met l'affiche à l'écran. Voilà, du coup, je vous l'affiche comme ça. Donc, vous l'avez aussi à l'écran. Et truc tout bête, il m'a dit, tiens, je t'envoie un extrait de mon dernier roman. Et le truc, c'est que je ne sais pas lequel c'est son dernier roman. Puisque je suis allée voir sur son site et j'ai pas vu quelque part une mention de c'est mon dernier roman celui-ci. Il y a une page où il a tous ses romans, puisqu'il en a écrit pas mal. Mais du coup, j'étais incapable de me dire c'est lequel. Et sauf que ben, j'ai préparé ça tout à l'heure. Et que le boulot ces derniers jours, j'ai pas forcément pu prendre le temps. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui dire, notamment, l'émission c'est ce soir à 20h, etc. Et je sais qu'à l'heure actuelle, il n'a toujours pas vu le message. Du coup, je n'aurais pas eu le. Du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien que je lui pose la question de savoir, c'est dans quel de tes romans? Bref, la prochaine fois, je demanderai aux auteurs et aux autrices de me donner la couverture et le titre. Comme ça, je l'afficherai aussi à l'écran. Je réfléchirai peut-être à une nouvelle disposition de l'affichage pour pouvoir afficher le livre d'origine, d'où vient l'extrait, quoi. Voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est un texte, comme je disais, un peu plus descriptif. Enfin, voilà. Et on va commencer d'ici à peu près 45 secondes. Donc, comme je disais, je coupe mon micro si jamais il y a des personnes qui hop dans le chat, etc. On n'est pas à l'abri que je l'allume pour dire bonjour. Donc, si vous souhaitez couper de votre côté, ok, parce que si d'un seul coup je pète un aloha, alors vous êtes hyper concentré, je comprendrai. Ce qui fait que, vu que le chrono va. Je vais relancer un chronomètre de 30 secondes, je le lancerai à 20h30, ça veut dire qu'on se retrouvera vers 21h, ok? Du coup, je coupe déjà le compte à rebours, je vous dis bon courage pour cette première session de Écris-le de ta plume, et je vais l'agrandir d'ailleurs le chronomètre parce qu'il est assez visible à mon goût, voilà. Et puis, je vous dis à tout à l'heure et amusez-vous bien!
Thank you.
Aloha Océola, ça va et toi? Bienvenue sur cette émission Écris-le de ta plume. On est actuellement sur la première session où le principe, que je t'explique tout rapidement, c'est de réécrire un texte dans son style de plume. Donc là, on est sur un texte d'un auteur auto-édité qui s'appelle Sébastien Teveny, je sais vraiment pas comment ça se prononce, il faudrait que je pense à lui poser la question. Et l'idée, c'est qu'on s'approprie ce texte-là et qu'on le réécrive à notre manière.
Du coup, là, il nous reste environ 4 minutes 30. Et il y aura un second texte ensuite pour jouer avec. Le second texte, ce sera un texte de Stéphanie Meyer. C'est un texte qui vient de sa saga Twilight. Du coup, si jamais ça t'intéresse de rester pour jouer avec nous ou de rester pour papoter avec nous, tu es évidemment la bienvenue. Et j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je suis contente parce que je suis enfin en week-end. C'est pas grave, Océola, si t'as raté le début de l'émission. De toute façon, il y aura une deuxième session là dans quelques minutes. Et en plus, je vais la mettre en replay sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-édition. Donc tu pourras toujours, si tu veux jouer avec ce texte là qu'on a sous les yeux, hop, aller voir le replay et puis découvrir et tenter le truc quoi. Je m'arrête ici, j'ai fait que la moitié du texte, c'est assez simplement, mais je me suis bien amusée. Ah bah c'est super, soupe. Bah écoute, moi aussi, je viens de mettre le point final là sur ma proposition. Et du coup, je vais juste me relire, profiter de la minute 30 qui reste, voir si j'ai pas des bouts de phrases qui sont incomplètes ou quoi. Et puis on va pouvoir partager ça. Si jamais, Soupe, tu veux m'envoyer ton texte pour que je l'affiche à l'écran, tu peux le faire sur le mail du portail de l'auto-édition. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Je l'ai mis dans le chat si jamais c'est le cas, comme ça tu peux m'envoyer ça et je l'afficherai. Mais dans tous les cas, n'est pas obligé. Et moi, j'afficherai le mien. Voilà. Du coup, je vais juste me relire rapidement sur la petite minute que j'ai devant moi. Et c'est cool si tu t'amuses. Moi, c'est pareil, je trouvais ça rigolo. J'ai réussi un peu à reprendre un peu toutes les informations qu'il y avait dans ce texte-là de Sébastien. Et je suis restée sur un style assez descriptif comme lui. Mais voilà, j'ai essayé de me dire, ok, si c'est moi qui l'écris, comment je l'écris ? Qui est complètement le principe même de cette émission-là. voilà, donc je me lis rapidement. D'ailleurs, je vais l'afficher à l'écran. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Augmenter la taille pour y voir clair. Wouhou! Je pense que là on n'est pas trop mal. Je vais juste rajouter proposition. Bon, je vais mettre réécriture par Abby. Et voilà. Tac. Est-ce que ça s'affiche bien? Je vérifie. Oui, ça s'affiche bien, super. Et puis du coup, le chronomètre s'est arrêté. Parfait. Hop.
Eh bien, en tout cas, bravo Soupe d'avoir joué le jeu. Et je vais vous lire mon texte, parce que j'ai envie de le lire à haute voix. Voilà. Du coup, juste avant, on avait le texte de Sébastien, et du coup, voici ce que donne ma proposition. En foulant le sol de Greenville, je sentis bien que l'atmosphère m'écrasait de tout son poids. Une petite ville en apparence tranquille, en apparence seulement. Car ici, une gamine, une adolescente, dirais-je, a disparu il y a de cela 5 ans sans jamais avoir été retrouvée. Pas une trace, rien, comme en volée. Sauf que les gens ne disparaissent pas comme ça. Encore moins dans un bled aussi petit et paumé que celui-ci. En rejoignant le port, je repense à ce jour où ma bosse fantasque sur les bords m'a proposé de venir en ces lieux afin de rédiger un papier pour parler de cette affaire non classée. J'ai accepté parce que j'avais tout de suite pensé à la Caroline du Sud. Bien malement pris. Cette ville de petite envergure me montre un peu trop tranquille à mon goût. Pire que tranquille, elle est froide. Glaciale même, me dis-je en resserrant les pans de ma veste pour affronter la bise mordante qui se lève soudainement. Cette froideur, je la sens au fond de mes entrailles, n'est pas uniquement due aux températures hivernales de cette fin d'année. Alors que j'arpente les rues de Greenville depuis presque une heure maintenant, cela m'a suffi pour en faire le tour et comprendre son architecture générale. Le point névralgique, le port, grouillant d'activités de pêche et d'industrie du bois. Le bâtiment le plus massif, celui de l'office municipal, avec ses briques rouges qui dénotent sur le reste des habitations façonnées de bois. Le charme du coin, le lac, côté East Cove. D'ailleurs, ma marche s'achève face à la jolie demeure de Greenville Inn. Je sais ce que vous vous dites. Passer ces nuits près d'un lac, d'un village à l'aspect serein, c'est digne d'un cliché ambulant. Là où j'espérais trouver une forme de tranquillité pour enquêter sur la disparition de Véronica, Lake, je me fourvoyais complètement. Mais ça, je ne le savais pas encore en pénétrant dans la charmante chambre Lupin. Des boiseries élégantes, une décoration un peu surannée et un choix de papier peint d'époque, cela me donnait l'impression de revenir dans le passé. Ce qui est un bon point pour la mission que j'ai à accomplir par ici. Voilà. Mais ça n'était pas une bonne idée, car troubler la quiétude d'une minuscule ville recluse du fin fond du Maine n'est pas sans conséquence. Et ça, je l'apprendrai à mes dépens. Juste vérifier qu'on parle bien de Véronica. Oui, Véronica. J'ai écrit n'importe quoi. Véroquina. Et... oh. Nika. Voilà. Du coup, ça, c'est ma proposition de réécriture du texte de Sébastien. Je me suis pas mal amusée. J'ai essayé de reprendre un peu tous les éléments qu'il nous a donnés. J'ai aussi essayé de mettre un discours un peu plus direct quand je me fais un peu parler le personnage dont on n'a pas le nom d'ailleurs. Quand je lui fais dire par exemple pire que tranquille, glacial, en resserrant les pans de ma veste, ou quand je le fais interpeller le lecteur, je trouve ça rigolo. J'aime bien. Enfin, voilà. Ok, pas la peine de lire le mien, les tiens trop bien. Oh, arrête, Soupe. Je sens que le tien il est cool. Est-ce que tu me l'as envoyé? Est-ce que tu veux que je l'affiche? Je l'ai dit en début d'émission, on n'est pas là pour juger et tout. Je suis sûre que le tien il est chouette. Enfin. Merci, Océola. Je me suis amusée, c'était chouette. Oui, vas-y, ok, ça marche, je vais le chercher. Ne bougez pas. Alors. Je vais dans mes mails. Mais j'ai essayé, je me suis retenue, je me suis freinée quand même à 2-3 moments pour pas le. Pour pas extrapoler, pour pas trop en dire. En vrai, j'aurais pu. Il n'y a pas de. J'aurais pu. Complètement pu. Mais, enfin, voilà. Je suis en train d'ouvrir ton texte. Voilà. Hop. Je vais essayer de copier-coller s'il veut bien. Pourquoi je peux pas? On va essayer. Voilà, copier. Non mais oh. Essayerai de cesser de me faire de la résistance. Hop, et puis on va le mettre là. Texte. On va mettre réécriture. J'ai mis réécriture, moi là-haut, je crois.
Écriture. Ouais. Par Soupe. tac. Le texte d'après, le texte de Stéphanie, on l'afficherait après. Est-ce que Soupe, tu es OK pour que je le lise à haute voix? En tout cas, c'est cool, t'as joué le jeu, c'est trop bien. Est-ce que ça t'a plu? Ça t'a amusé, tu m'as dit? Ok, ça marche. Alors, c'est parti. Il pensa d'abord à Greenville en Caroline du Sud lorsque sa boss, Myrtille Fairbanks, ah tiens d'ailleurs, moi je l'ai pas mis son prénom, lui avait demandé d'écrire un article sur la disparition d'une jeune fille. Mais quand il arriva à Greenville, dans le Maine, il comprit son erreur. 1005 habitants, au lieu des 60 000 qu'abritait son homologue, c'était une grande différence. Et la différence ne s'arrêtait pas là. Ici, le GPS n'était pas utile pour se repérer au milieu des rues. Le principal point de repère se situait au port qui faisait face au lac Moosehead. La ville s'était étirée autour, laissant bien comprendre que les habitants vivaient de la pêche et de l'industrie du bois. Ici, pas de building. Le seul bâtiment qui paraissait moderne était l'office municipal avec ses briques rouges. Toutes les autres bâtisses étaient en bois, comme si dans cet endroit du monde, le temps était figé à l'époque des cow-boys. Ici, le taux de criminalité était proche de zéro. Aucune propriété n'était clôturée et il était naturel de penser que les portes n'étaient jamais fermées à clé. C'était à se demander pourquoi il y avait une brigade de police. À quoi occupait-elle ses journées? Sûrement pas à retrouver Veronica Lake, une enfant de 17 ans qui avait mystérieusement disparu depuis 5 ans. Trop cool, Soupe, j'aime beaucoup. Tu vois, il y a des trois trucs que j'ai pas forcément mis de mon côté, genre le nom du lac ou cette idée là qui a le taux de criminalité qui est très faible et tout, les trucs en mode genre c'est vraiment très 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 paisible. Moi j'ai essayé de le tourner un peu plus en mode cringe, genre c'est une ville qui fait genre les tranquilles, mais en fait pas du tout. Et toi, t'as l'impression que tu l'as plus tourné en mode ouais, enfin, vraiment t'as repris ça et c'est trop bien. Ouais, c'est dur comme exercice, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, à partir du même point de départ, finalement, on n'a pas toutes les deux le même texte, je trouve, avec la même ambiance. En tout cas, je suis contente si t'as kiffé. Moi, j'ai kiffé aussi, c'était marrant de vraiment essayer de reprendre les éléments que l'auteur avait glissés et puis d'essayer d'essayer d'en faire quelque chose. Et tu vois, même au niveau du discours, moi, je suis partie, j'ai essayé de prendre un point un peu plus. Un point de vue un peu plus interne au personnage, alors que toi, t'es parti sur un truc beaucoup plus externe, j'ai l'impression. Du coup, c'est rigolo. On n'a pas vraiment pas du tout pris le même parti. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher le deuxième texte, et le texte de Stéphanie Meyer. Alors, je suis d'avance désolée pour la mise en page dégueulasse. C'est un dialogue, mais la mise en page est horrible. Mais j'étais obligée de le mettre au format paysage. Et du coup, bah, si je le mets au format paysage et que je respecte à chaque fois la retour à la ligne pour toutes les lignes du dialogue, ça s'affichait pas. Enfin, ça faisait beaucoup trop grand et j'avais pas assez d'espace pour tout afficher. Donc voilà, c'est un peu dégueu niveau mise en page. Oui, j'espère que ça sera quand même lisible. Faut savoir que c'est un dialogue entre Bella et Edward. Voilà, de la saga Twilight. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence la prochaine session d'ici une petite minute. Je vais essayer de faire un truc plus drôle avec l'autre texte. Bah, carrément, ouais. Moi, je sais pas trop dans quelle direction je vais partir. Je reviens, j'ai une urgence. Ça marche aussi, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va même pousser la prochaine session, voilà, commencer à 21h15. Parce qu'il faut que je boive un petit peu et que j'essaie de me remettre sur. Pour ce second texte-là. Oui, et à plus, prends soin de toi, j'espère que tout va bien. Mais là, du coup, tu vois, Soupe, là on est sur un dialogue, et dialogue, c'est pas mon truc, donc je pense que je vais pas le garder en tant que dialogue déjà. Enfin, je sais pas. Enfin, honnêtement, je pense pas parce que c'est vraiment pas du tout mon délire, les dialogues. Donc, voilà. Bon, on commence la deuxième session à 21h15, hein, dans 5 minutes, ok? Comme ça, je peux boire un peu, reposer un peu mes neurones aussi, réfléchir à comment je vais tourner ce second texte là aussi.
D'ailleurs, je vais regarder si Sébastien a répondu à mon message ou pas. Nope. Il n'a pas vu. Et du coup, je lui ai dit de toute façon qu'il y avait un replay, donc il allait pouvoir le regarder en replay si ça lui disait quoi. Mais ouais, là, le dialogue... Le dialogue, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. Mais après, est-ce que je transforme complètement le texte, je vire ce truc du dialogue pour voilà, en faire un truc un peu plus descriptif, ce qui est ma cam, ou est-ce que je me challenge, j'essaye de garder le format dialogue? Je ne sais pas, j'arrive pas à me décider. Je ne sais pas du tout. Challenge, ah, tu me poses un meilleur tranchement là. En vrai, ce serait l'occasion hein, de garder le dialogue. Mais je me connais, je vais essayer de le rendre plus descriptif et tout. Mais je sais pas. Parce que pour le coup, partir d'un dialogue et en faire un autre dialogue. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, là, c'est la scène où, en gros, il lui dit « Oui, viens te voir toute la nuit. » C'est un peu glauque, tu vois. C'est un peu cringe, quand même. Le mec, il va dire « Oui, je viens te regarder dormir. » Ok, merci. Voilà, quoi. Si je me challenge sur garder un dialogue, peut-être que je pourrais essayer de prendre le point de vue d'Edouard. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est pas mal sur le point de vue de Bella. En mode, elle s'occupe les mains, elle est embarrassée, elle rougit, elle est gênée, tout ça, tout ça. Elle réagit beaucoup dans l'émotion. Et Edouard, il est vraiment en mode, nos émotions, amoureux bien sûr, mais en mode... Je venais te voir toute la nuit. Je venais te regarder dormir. Donc, ouais. Je me dis que ça pourrait être sympa d'essayer de prendre le point de vue d'Edward. Ouais, merci. Je vais essayer de... Tu sais quoi, soupe? Je vais me challenger. Je vais essayer de garder un format dialogue. Je vais prendre le point de vue d'Edward. Et... Je ne t'en dis pas plus. J'ai une idée, mais je ne t'en dis pas plus. Je garde le suspense pour le moment voulu. Je vais programmer le nouveau chrono de 30 minutes. Et puis je vais le mettre en route. Donc bon courage pour cette deuxième session, pour ce deuxième texte. Et puis du coup, on se donne rendez-vous d'ici 30 minutes, c'est-à-dire d'ici 21h45, pour pouvoir voir ce que ça a donné. À tout à l'heure.
Alors Yanis, bienvenue à toi et merci pour ton follow, comment vas-tu? J'arrive sur la fin de la deuxième session de l'émission. Est-ce que tu veux quand même que je t'explique le principe de cette émission? Ça t'intéresse? Comment est venu te perdre? Comment es-tu venu te perdre par ici? Surtout. J'espère que tu vas bien. Et ça y est, soupe, hein, moi j'ai fini mon petit texte. Un peu compliqué. J'ai réussi, c'est cool. Oui, carrément. Ok, alors en gros, c'est une émission pour les écrivains. Ceux qui aiment écrire, tu vois. Je relis. Ah, ça marche. Je vais relire aussi. Tu découvres. D'accord. Bah écoute, écris-le de ta plume. Le principe de l'émission, c'est de réécrire un texte connu avec pour sa limite son imagination. Donc on fait ce qu'on veut de ce texte-là dans son propre style d'écriture. Et du coup là, ce que tu vois à l'écran, c'est un extrait de la saga Twilight, écrit par Stephanie Meyer. Donc on est sur la deuxième session de la soirée, parce qu'on a commencé l'émission, il était 20h, et la première session, c'était sur un texte d'un auteur auto-édité qui s'appelle Sébastien Thévenoud. Je vais remettre, ça me fait penser d'ailleurs, son site dans le chat. Et donc l'idée, c'est de partir d'un même point de départ, et de voir les résultats sur lesquels on arrive, chacun à sa manière. Donc si jamais tu veux découvrir l'auteur auto-édité dont on a parlé un peu plus tôt, je t'envoie le lien dans le chat. Et du coup, l'idée c'est vraiment de s'amuser avec les mots et de s'amuser avec sa créativité. Le tout sur des sessions qui durent 30 minutes, le temps de lire le texte et de proposer sa réécriture. Et puis après, on partage, on papote autour de ce qu'on a écrit. Voilà. Sinon, bienvenue du coup sur la chaîne du portail de l'auto-édition. Moi, je m'appelle Abby et en gros, je suis passionnée d'auto-édition. Donc, si tu sais pas ce que c'est, je t'explique si jamais. N'hésite pas à me dire. Et sinon, sur la chaîne, je fais plein d'autres choses. Je fais aussi des lives coworking. Je fais de temps en temps des lives jeux vidéo. Enfin, voilà. Et des lives lecture aussi, ça m'arrive. Je vais peut-être me remettre aussi à faire des lives écriture. Ou là, c'est juste moi qui vais écrire et vous, vous voulez passer voir ce que j'écris, etc. À vous poser. Merci, c'est gentil. En fait, j'ai eu cette idée-là en voyant le Draw This in Your Style. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ce concept-là. C'est dessine-le dans ton style, dessine-le à ta manière. Oh, merci beaucoup pour ton prime, c'est gentil, merci. Et du coup, je me suis dit, tiens, si on pouvait transposer ce principe-là à l'écriture, qu'est-ce que ça donnerait? Du coup, je vais enlever le chronomètre qui s'est arrêté, qui est la fin du chrono. Soupe, j'espère que tu as fini de te relire. Je te mets pas du tout la pression. Et pendant ce temps, du coup, je vais faire changer le texte et mettre le mien à l'écran pour que nous puissions le... que je puisse vous le lire. Je vais le chercher. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Tac. Alors. Hop. Tant que ça tienne. Non, évidemment, ça ne tient pas. Sur la page, bah oui, puisqu'il y a du dialogue. J'essaie de réduire la taille. Voilà. J'espère que c'est lisible quand même pour vous. Et du coup, je suis également enchantée de te connaître et de te voir sur ma chaîne, Yanis. Ça me fait plaisir, merci. Et du coup, bah là, le principe de l'émission, c'est qu'on réécrive chacune, enfin, chacun réécrit un texte. D'abord un texte d'un auteur auto-édité, parce que bah, la littérature indépendante, c'est ma passion, donc c'était évident qu'on allait le faire depuis un texte d'auteur auto-édité. Et depuis un texte d'une maison d'édition. Donc là, le choix s'est porté sur un texte de Twilight. D'ailleurs, je vais redescendre un tout petit peu puisque je vois que ça se coupe un petit poil en bas. Et voilà. Et l'idée du coup, c'est d'écrire ça en 30 minutes et puis après, on échange tout ça. Bon, du coup, je vais lire mon extrait, ma proposition de réécriture. Il m'a espionné. De là où j'étais, je pouvais l'observer réagir face à cet aveu de ma part. Pourquoi lui avoir dit d'ailleurs? Bonne question. Pff, ça m'a échappé.
J'aime bien venir la regarder, la nuit, toute innocente, toute à ma merci. Des fois, je me prends un selfie avec elle, sans flash bien sûr, pour ne pas me faire cramer. Ce qui me fait penser que je n'ai pas encore imprimé les dernières photos, pour les accrocher avec les autres sur mon mur secret, celui sur lequel je dispose toutes les... C'est arrivé souvent ? Pardon ? Je laisse ma cave et mon mur dans un coin de la tête pour l'écouter plus attentivement. Ce pouls, qui bat frénétiquement, me fait saliver. Je ravale ce surplus de liquide buccal pour m'empêcher de lui sauter dessus et de la vider là, comme ça, en 30 secondes chrono. Oh, je pourrais. Mais ça viendrait faire foirer tout mon plan. À savoir, lui faire croire que j'étais amoureux, pour lui sucer le sang toute sa petite vie d'humaine. Un casse-dalle permanent, quoi. Ou presque. Combien de fois es-tu venue ici ? Elle fuit mon regard, je lève les yeux au ciel. Presque toutes les nuits. Pourquoi ? Et voilà, elle s'affole. Il faut que je la temporise. Le stress ne donne pas bon goût. Je réfléchis à la réponse la plus niaise que je puisse trouver. Tu es très intéressante quand tu dors. Tu parles. Nom d'un chien. Tu es très en colère. Je ne vois pas pourquoi. C'est normal de regarder ceux qu'on aime dormir pour s'assurer qu'ils restent en vie. Qu'est-ce que tu as entendu ? Pour en rajouter, je me déplace en quelques microsecondes pour aller lui attraper les mains. La carte du charmeur. Voilà ce qu'il faut pour transformer ce vilain stress en douce excitation qui pimentera mon prochain repas. Tu parles de sujets complètement futiles, ta liste de courses, les plantes aromatiques, tout ça quoi. Et elle a l'air de trouver ça amusant. Quoi d'autre ? Tu parles de moi. Là, c'est mon ego qui se pavane. En même temps, qui pourrait résister avec mon charme fou et mes yeux hypnotiques ? D'ailleurs, elle tombe complètement dans la piège. Rougit, se dandine, et plus aucune trace d'appréhension dans son regard n'est visible. J'ai oublié deux mots. N'est visible. Appétissante. Voilà, le selfie, ouais. Je voulais essayer, comme on était sur, du coup, sur une scène entre Edouard et Bella, où t'as Edouard qui dit oh, « je viens te voir tous les soirs », et Bella est en mode « oh non, je raconte des bêtises », et puis enfin voilà, en mode... C'est une très cucu. Je voulais essayer de... de rendre Edouard un peu cringe. Mode le mec, il vient, il observe, tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, je trouvais ça amusant. Je trouvais que c'était tellement drôle, bravo. Merci. Merci, soupe. Est-ce que tu veux nous partager ton texte ou pas ? Est-ce que tu me l'as envoyé ? Est-ce que je peux l'afficher à l'écran ? Est-ce que je peux le lire ? Dis-moi tout. En vrai, c'était pas facile de rester sur... Tu me l'as envoyé. Ok, je vais aller voir ça. C'était pas facile de rester sur un semblant de dialogue. Tu vois quand même que je suis pas restée beaucoup sur le dialogue. Parce que vraiment, le dialogue, c'est pas mon truc, quoi. Mais bon. Alors. Tac. Hop. Je vais l'afficher. Il est bien long aussi, mais c'est pas grave. Je descendrai au fur et à mesure que je lis. Hop. Alors, c'est parti pour la lecture du texte de la réécriture de ce que je viens de voir. Ton oui, 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 ça marche. Tu m'as espionné, mais gosillais-je ? Ah, à quoi occuper mes nuits sinon ? Non, mais il se foutait de ma gueule. Est-ce que moi je venais chez lui pour le regarder dormir ? Ah non, c'est vrai. Étant un vampire, il ne dormait jamais. Énervée, je me retirai dans la cuisine. J'avais faim quand même. Il m'y suivit et s'installa sur une chaise comme s'il était chez lui. Je préférais ne pas lui faire de remarques et de me concentrer sur la préparation de mon repas. J'ouvris la barquette de lasagne de la veille pour la glisser dans le micro-ondes. Très vite, la cuisine s'emboma d'une odeur de tomates et d'origots. Je gardai les yeux sur l'assiette qui tournait dans le four afin de ne pas penser à son regard brûlant sur Malik. C'est arrivé souvent ? Voulais-je savoir ? Pardon ? Ah ! Il ne me regardait pas finalement. Ou alors était-il en train de me revoir en train de dormir ? Était-il resté dans un coin de ma chambre ? S'était-il approché ? Avait-il collé son visage devant le mien ? M'avait-il touché ? Combien de fois es-tu venu ici ? Répétais-je afin de stopper mon angoisse montante. Je te rends visite presque toutes les nuits. Nom de. C'était encore pire que ce que je ne le craignais. N'avait-il vraiment rien d'autre à foutre ? Je ne savais pas, moi. Lire, regarder un film, chasser les chauves-souris.
n'importe quoi d'autre que de rentrer chez moi par effraction pour m'observer baver sur mon oreiller. C'était glauque quand même. Pourquoi ? Demandai-je impatiente de connaître sa réponse. Tu es très intéressante quand tu dors. Tu parles. Voilà autre chose. Je rougis. Je savais que je marmonnais dans mon sommeil et ma mère m'avait souvent donné des coups de coude pour me faire taire. Mais je n'avais pas pensé à cette éventualité quand Edouard m'avait appris qu'il me visitait la nuit. « Tu es très en colère ?» me questionna-t-il aussitôt ennuyé. « Moi, en colère ? Qu'est-ce qui lui faisait croire ça ? Est-ce que c'était le fait que dès que la sonnerie du micro-ondes avait retenti, j'avais sorti l'assiette si vite qu'elle avait failli se renverser sur le sol ? Non, je n'étais pas du tout en colère. J'étais terrifiée. Qu'avait-il entendu, bordel ? Ça dépend, dis-je sur un ton faussement désinvolte. De quoi ? De ce que tu as entendu, tiens. Le temps d'un battement de cils, il fut à mon côté me retirer avec douceur l'assiette pour prendre mes mains. Ne t'en fais pas, susurra-t-il en plongeant son regard dans le mien. Ta mère te manque, tu t'inquiètes à son sujet, et le bruit de ta pluie, de la pluie t'énerve. Au début, tu parlais souvent de chez toi, là-bas. C'est moi le cas à présent. Une fois, tu as dit « C'est trop vert. » Trop vert. Qu'est-ce que c'était que ces histoires ? J'étais peut-être seulement en train de rêver d'extraterrestres. Quoi d'autre ? Insistai-je, car finalement, tout cela n'était pas très croustillant. Tu as prononcé mon prénom, m'avoua-t-il, conscient de la réponse que j'attendais. Beaucoup ? Soupirai-je en levant légèrement la tête vers la sienne. Et combien pour toi, beaucoup ? Il était débile ou quoi ? Beaucoup, c'était au moins plus de deux fois. Même une fois, c'était déjà trop. Pour qui allait-il me prendre maintenant ? Une gamine qui fantasmait sur lui pendant mes rêves ? Vive la réputation. Je baissai la tête pour lui masquer mon malaise, mais il m'attira contre lui. Ne sois pas gênée, me souffla-t-il à l'oreille. Si je savais rêver, je ne rêverais que de toi, et je n'en aurais pas honte. Ouais. Il disait ça car il savait que ça n'arriverait jamais. Dès demain, je clouerai des planches à ma fenêtre. J'adore soupe. J'adore, il est trop bien ton texte. Trop cool. Est-ce que ça t'a plu de jouer un peu avec Edouard et Bella? C'était rigolo, je t'avoue que... Merci Yanis. Et si jamais ça t'intéresse Yanis, je risque certainement de renouveler ce principe-là et du coup j'en parlerai sur mon Instagram, donc n'hésite pas à checker mes stories Instagram, enfin voilà, ou de toute façon tu auras sûrement les alertes Twitch quand je lancerai des émissions. Oui, c'était trop bien, cool. Moi aussi ça m'a plu, c'était trop chouette de pouvoir jouer avec les textes. C'était sympa. C'est vraiment sympa et je renouvellerai certainement la chose. Donc on se redira ça. En tout cas, c'était vraiment marrant. Et bon, après, je me suis pas trop éloignée non plus de... comment dire ? Des textes de départ. Mais j'aimerais bien essayer de me donner des petits défis par-ci, par-là, quand je ferai des réécritures de les prochaines fois. Si jamais, Yanis, tu as des questions, n'hésite pas, c'est le moment. Si Soupe, tu as des questions, des remarques, n'importe quoi, n'hésite pas, c'est le moment. Et voilà, on s'approche tout doucement de la fin de l'émission. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. C'était vraiment rigolo de jouer avec les mots comme ça, de s'approprier les textes de ces deux auteurs-là. Comment j'ai choisi les textes ? Eh bien, en fait, j'en ai présélectionné 4. Deux d'auteurs auto-édités et deux d'auteurs de maison d'édition. Et en story Instagram, j'ai demandé aux personnes qui étaient intéressées par ce concept de s'inscrire, entre guillemets, pour pouvoir faire partie d'un groupe de discussion sur Instagram, un groupe éphémère, qui du coup n'existe que quelques jours. Le temps de leur envoyer les textes et de leur dire voilà, c'est vous qui allez choisir quel texte avec lesquels nous allons jouer lors de l'émission Écris-le de ta plume. Donc sur les quatre textes de départ, les personnes en choisissent deux. Voilà. Et puis du coup, parce que bon, deux tu vois, ça fait déjà
quasiment 2 heures d'émission, ce qui est assez énorme. Et 2, je trouve que c'est bien, parce que voilà, 30 minutes par réécriture, c'est pas mal, etc. Et oui, je trouve que ça permet de varier, et puis du coup, bah, les gens qui sont intéressés peuvent avoir un droit de choix, tu vois, je trouve ça intéressant aussi, de pouvoir leur laisser cette possibilité-là. C'est pour ça que je t'ai laissé mon Instagram sur le chat tout à l'heure, parce que du coup, globalement, 90% de mon activité se passe sur Instagram. Tout le reste que je fais à côté, mon podcast, la chaîne YouTube, etc., etc., les articles de mon site, en fait, je relais la plupart du temps sur mon Instagram. Et du coup, voilà. Et du coup, bah là, le groupe de discussion éphémère Instagram avait servi à ça. Et ça a permis de pouvoir choisir. Et ouais, je trouvais ça intéressant de jouer autant avec des textes d'auteurs indés, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est ma passion, la littérature indépendante. Je ne me voyais pas faire ce concept-là sans ça, sans ces plumes auto-éditées. Et en même temps, avec un texte beaucoup plus connu, je trouvais ça aussi rigolo de pouvoir jouer avec des textes largement connus. Enfin, largement connus dans le sens qu'ils sont un peu plus classiques, quoi. Est-ce que toi, tu écris, Yannis, ça t'arrive ? Mais ouais, du coup, bah, au début, c'est moi qui ai présélectionné les textes par moi-même. Et en fait, là, les choix que j'avais proposés, c'était donc pour les auteurs auto-édités. C'était soit un texte de Sébastien Théveny, soit un texte de Sophie Castillo. Et pour les textes de maison d'édition, c'était soit Stéphanie Meyer, soit Stephen King. Bah, aucun rapport les uns avec les autres, mais c'était histoire de proposer des choses. J'essaierai de refaire la prochaine émission, j'espère que d'autres personnes nous rejoindront. Bah ouais, carrément, je souffle, j'espère aussi. Après, comme je disais aussi, j'en profite pour te dire, Yannis, c'est que le but de cette émission, c'est qu'elle va être aussi mise en replay sur ma chaîne YouTube. Du coup, peut-être que d'autres personnes vont jouer le jeu, mais avec le replay. Ça peut être aussi une possibilité, parce que c'est pas toujours évident de se libérer le temps, le créneau que j'ai décrété, quoi. Vas-y. Pas du tout, je ne suis pas très littéraire, mais j'aime bien découvrir. Ah, ce n'est pas littéraire, donc tu n'écris pas, mais est-ce que tu lis peut-être ? En tout cas, c'est chouette que tu t'ouvres aussi. Ah, c'est cool. Mais ouais, moi je sais que la littérature indépendante, c'est vraiment un truc qui me passionne depuis 5 ans maintenant. Et c'est trop cool parce que les auteurs sont libres vraiment à 100%. D'écrire tout ce qui leur passe par la tête. Ils n'ont pas besoin de suivre les tendances, ils n'ont pas besoin de suivre les lignes éditoriales des maisons d'édition. Ils créent les univers vraiment avec les codes de leur choix. Et je trouve que ça permet d'avoir des bouquins qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui permettent plein de choses. Et ça, c'est génial, quoi. Enfin, bref, j'aime l'auto-édition. J'adore ça et je pourrais en parler toute la nuit s'il faut. Mais c'est trop trop cool. Mais ouais, Soupe, ça serait chouette si on a d'autres personnes. J'essaierai d'en parler un peu plus, tout ça. Enfin, voilà, là, je sais que j'ai partagé sur Insta et tout. Et sur Twitter aussi. Voilà. Pas trop trop le time en ce moment de lire autre chose que mes cours, mais un jour, c'est ta défense d'ailleurs. Bah écoute, Yannis, ce qu'on peut faire, peut-être pas là maintenant parce que je t'avoue que je commence à fatiguer, mais ce qu'on peut faire, c'est que tu peux m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que tu aimes lire, genre tes genres préférés, des trucs comme ça. Genre si t'as des ouvrages que tu connais déjà, qui t'ont plu, ou ce genre de choses, et je te ferai une liste de recommandations, si ça te dit. Comme ça, je te ferai découvrir des auteurs indépendants qui sortent un peu des carcans des maisons d'édition, si ça te dit. Et bon courage pour les cours. Et que la fin d'année, c'est jamais la période la plus sympa. Du coup, on arrive sur la fin de l'émission. Et mais je t'en prie, avec grand plaisir. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à vous. Un bon courage aussi pour la semaine qui arrive. Force à vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, on se dit à tout bientôt sur les réseaux sociaux. Merci Soupe pour ta présence et pour tes participations. C'était super, ça m'a fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Et merci encore Yannis, voilà, de ta venue et de ton follow.
et de ton sub aussi au temps prime, c'est vraiment gentil. Et je t'attends dans mes DM, Yanis, hein, pour te faire tes recommandations. Oui, c'est bientôt Noël. C'est dans quoi? Dans 14 jours, là. Dans 2 semaines. Wow, c'est dans 2 semaines. Incroyable. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, et puis on se dit à tout bientôt.